Sounayor et que Serigne Saliga, entraîneur de football, m'accompagne ce soir pour vous faire vivre cette rencontre. Et rappeler également que quelqu'un aussi qui est très reconnu sur le plan tactique. Quand on regarde son équipe très bien organisée tout le temps, une équipe un peu très agressive. Ouais. Parce que presque il récupère un peu de ballon. Donc ouais. Je pense que c'est deux entraîneurs qui vont nous livrer le jeu. Ouais. Je pense qu'il n'y a Italie n'a pas. Voilà, on n'a pas pied rattrapé par Toumani Diédou. Pour Toumani, on va essayer de passer. Youssouf. Attention, Toumani n'est pas en position de hauteur. Il va passer avec sa pointe de vitesse. Bien joué. Bien joué par le défenseur. Il a fait toujours devant pour chercher un peu le centre en retrait. Ouais. Le défenseur qui est sous ses appuis pour mettre un peu le ballon en train de clair. Voilà, et le changement va être effectué avec la sortie de Mamadou Lamine et l'entrée de Moussa Diédou. On revoit encore cette action. Moussa Diédou, le numéro 17, fait son entrée. Parce que tu es maître entre tous ces repères. Voilà, donc est droit dans la soirée de barrage. Oui, absolument. Donc, il a dit qu'il n'a pas été issu de cette action-là. Faire revoir la faute à l'Erasmus sur Duba. Et c'est capté par Duba Nagalo. Il a relancé très rapidement. Il a relancé très rapidement. Attention. Il y a tout le temps un mauvais placement de cette défense. Ok, le jeu peut être un changement. Il va être pas faire attention à ce coup. Il va dégager ce ballon. Bon dégagement. Il va manquer. On va envoyer là-bas. Bien placé. Regardez, encore cette passe pour Dara Diaw. Il n'est pas là pour voir la solution. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup. Regardez Dara Diaw, regardez le travail, ça c'est fin de la fin, ça c'est bien fait. La fin de centre, c'est bien fait. On a pu faire une bonne passe ici. Merci Dida au Maroc. Donc l'équipe se prépare là-bas et devrait affronter. Attention. Dara Diaw. Encore. Babou l'a appuyé également à Amadou Fari de Djedjewaï. Le temps additionnel est épuisé, l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Le Sounayor de Tourbel, c'est le latéral tout simplement. Qui c'est va Dara Diaw. Ouais, Dara Diaw. L'ancien arrière latéral de la gendarme de Dakar. La gendarme Dara qui a donc qui est parti poser son balichon du côté de des Baoul. Précisément à Sounayor de Tourbel, Dara Diaw, la touche vers. Gadio, c'est Sini Diagne. Et il faut se méfier de la paire d'attaque. Hein. Sini Diagne et Baï Gadio. Ouais. Qui marche fort, il faut le reconnaître. Ils ont inscrit presque beaucoup de buts de l'équipe. Voilà, Baï Gadio. Il y a Baï Gadio, il y a Pab Ngaïndalo. La défense. Dara. Attention. Les Djurbélois qui vont perdre ce ballon. Toujours 0-0. Alors, on rappelle, c'est Pape Sassi Diallo qui a marqué. Bon, qui est motivant pour le footballeur. Ouais, pour le footballeur. Attention à ce ballon. C'est Latif qui est obligé de s'élancer et ce sera une sortie de but. Donc, il réclame une faute auprès de l'arbitre. Un autre rythme de jeu. Ouais. Ça va monter. Ça va passer crescendo. Ouais. C'est-à-dire que petit à petit, ils vont faire monter. Bien joué. Attention bon pour Messi. Messi, Fatih, il est seul, il va essayer de temporiser. Oh, il a abattu un travail colossal, il faut quand même le reconnaître. Il a fait une bonne préparation, a préparé l'équipe. Et maintenant, bon, il le sait que ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre. C'est Max, Malik Max. Ouais, Malik Max, Nyan en l'air. Donc, tiré dans le vent. Voilà. Attention, il revient, Pape Diop. Le niveau attendu, attention, non, il va essayer de passer. C'est pas but de la partie pour l'instant. Dara Diaw, l'ancien joueur de la Gendarme. La Gendarme aussi. Au niveau de la défense, comme le dit tout à l'heure, attention, si vous, c'est Messi. Yambar, donc, il faut que. Yambar a combien? Ouais. 19. Ouais, puisqu'ils étaient 3 avec 16 points. Là, il remonte. Ouais. Pour le moment, donc, c'est Yambar alias Messi. Il faut aussi qu'on prenne un peu de l'éclairage. Le deuxième gagné qui a sonné la mobilisation pour
remplir Marius Ndiaye. On rappelle les buteurs, Mamadou Ndiaye 24e et Ibrahima Fati 61e minute, précipité. La tire. Attention. Et c'est Kako. Sortent les chapelets. Parce que là,